Non seulement euh, on, les, on les soigne pas, mais en plus on leur dit qu'ils sont fous. Et ça, c'est euh, pour les victimes, c'est le pire de tout. Ils ont personne à qui parler, souvent. Et dans leur propre famille, ils se trouvent isolés. J'en ai eu une cette semaine au téléphone, c'est absolument dramatique ce qu'il arrive à cette fille, qu'on ne sait pas comment vraiment aider. Et la famille est au bout du rouleau, parce que quand on a, je sais pas, 30, 40 symptômes, qu'on ne peut plus sortir de son lit, on se vide toute la journée, qu'on boit 7 litres d'eau, qu'on ne peut plus manger, à quoi, même pas 40 ans euh, C'est absolument dramatique ce qu'il arrive à ces gens. Il faut absolument qu'on arrête d'être dans le déni de ces gens, parce que certains sont en train d'agoniser chez eux. Je l'ai dit X fois, je l'ai dit euh, au sénateur. je, je l'ai dit partout où je suis passée, il y a des gens qui agonisent chez eux, dans l'indifférence générale. Et ça c'est insupportable.